Salut tout le monde, c'est Superflo, j'espère que vous m'entendez très bien. On est pour une petite vidéo de mon setup. C'est un abonné qui m'a demandé d'en faire une, donc voilà, j'en fais une vidéo de mon setup. Vous voyez un peu vite fait comment ça se passe côté PC, côté console. Et après voilà, c'est mon nom, on s'en fout un peu. Donc voilà, je vous montre vraiment vite fait comme ça, on va faire le tour. Je vais vous présenter. J'espère que vous m'entendez bien, je enregistre ma voix avec mon micro qui est juste ici. Juste tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de son sur ma GoPro, comme ça vous pouvez m'entendre tout simplement. Donc ici on arrive avec le drapeau américain. Voilà, j'ai plus les posters dessus, voilà, comme ça. Ici on a la map de GTA V et la map de Mafia 3. Ici voilà, on a un peu de posters et tout, drapeau, pareil. Là ici, une petite dédé que j'ai récupérée de mon grand-père. Donc voilà, on va passer directement côté PC. Donc si vous savez, j'ai dit tous les discussions que vous avez dans les commentaires de la vidéo. Attendez, je vais juste un peu mon micro, voilà, tout simplement, comme ça je le récupère à côté de moi. Voilà. Donc on passe ici, vous avez mon PC principal. Donc c'est un écran HP, la grandeur je pourrais pas vous dire, mais je sais pas. C'est un PC très simple et tout. Donc il est super cool, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais avec ma première tour, qui est pas à côté de moi, mais qui est rangée, qui est morte en fait. Donc c'est un PC en bon... Voilà, j'ai rien à dire, c'est un bon PC. Un bon écran de PC plutôt. Ici, vous avez mon PC portable, où je m'en sers pour... genre aller sur Facebook, Twitter, les trucs comme ça, ça me sert beaucoup à côté. Donc mon petit PC portable que par Kabel j'ai acheté il n'y a pas assez longtemps que ça, ça doit faire 4 mois à peu près. Non, même pas, c'est un peu plus. Je sais plus, bref, parce que mon premier il m'avait lâché. Sur mon premier setup que j'avais fait, j'avais un autre PC tout blanc, mais en fait il est mort. L'écran tout noir, donc voilà. À côté vous avez des souris. Donc souris fil. Souris sans fil. Donc voilà, là je peux vous montrer sans fil. C'est. Enfin, j'ai essayé de le remettre là-dessus. Souris TG, on avait acheté pas trop cher chez. Je sais plus. Clavier sans fil, offert par Miss Superflo. Enfin, j'ai essayé de le brancher sur le PC portable parce que c'est vrai, le PC portable c'est bien. Mais pour écrire, c'est un peu chiant des fois. Donc voilà. Ici, on passe au clavier de ma nouvelle tour. Donc, tour gaming un peu. Voilà, le clavier s'allume et s'éteint. On n'a qu'une couleur, c'est un peu dommage dessus. Donc vraiment assez cool le clavier. Gros bouton du volume, comme vous voyez tous. Ici on a une souris très simple pour vous avec. Un tableau souris, très simple aussi. Voilà. Ici, vous allez voir, hop, notamment je me décale. On vous a par ici, on a la manette. Bien sûr, c'est pas. À la base, elle est simple, elle est noire. Et en gros, en fait, j'ai tout simplement acheté une coque en plus. Pour la custom, parce qu'en fait je n'arrêtais pas de la faire tomber, donc du coup à la fin ça n'avait plus marché. Donc voilà, le casque calé avec la console, c'est très simple. Ici on a un stylo, une médaille, un porte-drapeau. Ici on a une batterie pour téléphone ou tablette. Quand on est dehors dans la rue, ça peut être vraiment pas mal. Ici ça ressemble vraiment à. Attendez, j'espère que vous allez bien voir. C'est là un raton laveur, ça ressemble à un raton laveur. C'était dans un truc de Marvel quand on faisait des courses. Donc voilà, je l'ai pris. Ici on a une enceinte de Paris aussi. Donc un vrai fan de Paris. Ça vous pouvez le voir, je vous le montrerai encore après. Ici on a une enceinte. Une et l'autre elle est là où je vous montrerai après. Hercule, avec le petit réglage de son ici. Vraiment un bon son. Je l'ai eu chez... J'ai eu sur Facebook un petit monsieur qui le vendait. Donc du coup je l'ai récupéré. Vraiment assez cool. Ici on va passer sur la tablette Samsung. Modèle, je sais plus c'est quoi, mais je vous mettrai aussi dans les commentaires de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas tout en tête, tu pourras pas tout me rappeler, donc tout va dans les commentaires de la vidéo. Donc ça marche très bien, je fais des jeux avec Clash of Clans et tout, donc pas de soucis. Ici, on passe sur un écran HP. J'ai eu à la foire à tout pour 5€ à peu près sur la foire à tout. Rien à dire, il est vraiment bien sauf si ça fait des petites images. Voilà, un peu déçu, mais c'était à la base juste pour faire des montages ou m'en servir comme ça avec vos vieux PC pour aller sur Facebook ou encore
sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Et sinon, ma manette de PS3, mais qui marche plus du tout, elle a eu du chocolat tombé. Il y a eu du chocolat tombé dessus par Miss Superflo. Ça arrive, voilà. Une bêtise. Ici, c'est une carte que j'ai été dans un magasin où j'ai acheté mon t-shirt de Wii, où ils font des bombes à peinture. Donc voilà. Ici, on a la DS de Miss Superflo. Je devais faire des choses dessus, mais en fait, j'ai pas. Donc ici, on a DS. Je sais même pas trop comme DS. DS. Nintendo DS, donc ça va être normal, je sais pas. Bref, ici on a la PSP Vita Call of Duty. Derrière, c'est marqué Call of Duty ici. Je peux vous la montrer si vous voulez. Ici, on a des montres. On a la suite de l'enceinte. Détective Conan en livre. J'ai jamais fini. Je trouve vraiment super bien. Ici, on a un casque Bluetooth qui me servait pour le PS4. Je sais pas si je peux jouer parce que j'ai eu un souci avec aussi. Donc, vraiment assez cool. Donc voilà, coin en haut, on a fait. On va passer en dessous. Donc, en dessous, voilà la grosse bête avec quoi je fais les vidéos, et je le reconnais vraiment que ça change vraiment. Désolé pour les fils que vous voyez là-bas, et enfin je me débrouille autrement. Je vois différemment, je vois le changement en fait avec cette petite machine. Attendez, j'avance juste le micro, comme ça vous pouvez m'entendre parce que c'est un peu clair. Avec le micro de la GoPro, on n'entend pas grand chose. Hop là. Donc. Un PC Asus Gaming, j'en ai pour 700€ à peu près chez Conforama. C'est un bon PC, je vois la différence quand je fais des montages vidéo. J'en ai plus pour 10€ à peu près, parce que avec mon petit qui était là, j'en avais pour 10€, et là j'en ai plus pour 10€. Donc c'est vraiment un bon PC. Voilà, les montages, j'en ai vraiment pas beaucoup. Les critères, je pourrais pas tout vous dire. Voilà, il y a ça sur le côté de mes informations. Je sais pas si ça sert à ça ou quoi. Désolé, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de cacher. C'est tout ça, mais bon, vraiment, je suis vraiment désolé. Je mettrai tous les liens dans la formation. Les liens dans la formation plutôt. Ici, on a un disque dur. Voilà, attendez, hop. C'est mon ancien disque dur, j'arrive pas sur le PC portable. Je suis plus, quand même, j'ai bien le mec, il est mis. Un bon disque dur, rien à dire. Voilà, je le mets là parce que je m'en sers pas beaucoup. GTA sur PC, pourquoi il est là? Parce que tout simplement il est à côté de PC. Voilà, ma première tour, qui marche toujours mais qui rame en heure. Donc voilà, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, la vidéo l'année dernière, mon setup 2015, vous l'avez déjà vu. Je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, la petite buff qui fait partie de l'arcade. Je l'ai juste derrière à côté, donc vous pouvez sur le lien. Désolé pour le film. Un peu. On va passer au micro qui est super génial, donc je remercie Yuzi de l'avoir conseillé. Celle-là, c'est un bon micro, mais c'est pas fini, je vais vous montrer ça après, vous inquiétez pas. Donc la perche qui est juste ici, et en fait voilà, c'est un bon micro. C'est là où vous m'entendez le plus, où j'enregistre mes voix. Donc par exemple là, je suis obligé de le décaler, comme ça vous m'entendez en même temps. Rien à dire, j'en ai une pour 50€, même pas, je sais plus. Sur Amazon, c'est vraiment un bon micro, donc je vais vous montrer un peu plus près. Les briques, voilà, un bon micro qui est super cool. Et c'est pas fini, bien sûr, on a un casque avec Field qui est là, et le casque de Paris, qui est vraiment assez cool. Donc voilà, je vous mets dans le Paris. Voilà, un bon petit casque, rien à dire non plus, c'est un bon petit casque. Maintenant, je vais passer au coin gaming. Donc là, on va vous emmener les premières enceintes que j'ai eu pour mon PC. Et du coup, j'ai mis là ma petite télé Toshiba. Ça fait un bon moment qu'on l'a, parce qu'avant c'était pas moi qui l'avais, donc voilà. Donc je sais pas c'est quoi comme grandeur non plus et tout, les voilà. Où je l'ai eu, je pourrais pas vous dire, je sais pas du tout. Ici, ma collection d'Assassin's Creed. Donc, Assassin's Creed Libération, Statuette offert par Miss Superflo. On a le jeu Syndicate, on a le Assassin's Creed Pop, on a ma petite statuette, c'est moi qui lui offre que je l'ai pris moi-même. Et ici, on a Assassin's Creed Black Flag offert par Miss Superflo aussi. Donc voilà, ici, je vous montre encore, il y a ça. Pas fini. Donc voilà. Bon, ah, c'est cool. Donc ici, on va passer
côté console maintenant. Donc attendez, je pense que vous avez peut-être pu m'entendre trop, voilà. Console. On a tout simplement l'Avar Media qui est juste ici. Je vais vous montrer tout simplement SGP Live offert par mon frère l'année dernière à Noël. Ça va faire un an que je l'ai, pas de soucis avec, tranquille vous. Là ici c'est les fils en fait que HDMI que je branche jusqu'à l'ordinateur et tout, donc je suis obligé de les mettre comme ça, mais en fait je le découvre. Les fils sont super grands, donc j'en ai 3 mètres à peu près de fils, donc c'est un fil super grand. Mon disque dur de Xbox 360 que j'ai plus, que je joue plus dessus, ça ne marche plus. Je sais pas si ça va sur la web ou pas. Donc voilà, je l'ai mis là. Disque dur encore, c'était pour la PS3 que je faisais des vidéos avec, donc un disque dur 500 Go. Tout simplement. Ici on a des canettes de Griezmann. Encore une canette, deux canettes de Griezmann, une tasse de New York. Voilà la petite baffe qui va avec les enfants qui sont au-dessus. Ma PS3. Vous me demandez tout le temps si je joue avec. Non, je joue plus avec ma PS3. Parce que bah voilà, c'est les images, c'est plus pareil, donc j'y joue plus. Et ici on a ma petite Xbox One. Ça fait 2 ans que je l'ai à peu près, si j'ai pas de bêtises. Et vraiment 500 Go, je crois, si je me trompe pas. Une vraiment bonne console, j'ai rien à dire, donc vous pouvez voir là-haut, voilà. Rien à dire que cette console là. Et maintenant on va passer côté jeux vidéo. Donc hop, vous allez voir vite fait, je vais vous montrer comment c'est pour les personnes qui ne voient pas. Donc je vais pas vous montrer à droite parce qu'il y a le centre, c'est de la gauche, donc il y a le centre à l'arrière. Et là on va passer côté tout simplement console, jeux vidéo. Donc il y a plein de choses à vous montrer. Donc là je suis assis sur le lit. Donc voilà les jeux Xbox, PS3. Et là c'est les démos de Xbox 360. Là on a le. Donc attendez, hop, j'essaie bien de mettre. Parce que comme le lit est grand en fait, c'est pour ça que vous voyez encore. The Walking Dead, la saison 2, vraiment cool. Je regarde la suite en fait, je suis. En fait, il est donné avant sur TMC ou le 11, je sais plus. Arrive au terminus, mais j'ai la suite. Donc, enfin, j'essaie de regarder quand même. Donc, ici, vous avez Juste Cause 3. Voilà. Watch Dog. Vraiment cool le jeu, j'ai fini. Mafia 3. GTA 5. Voilà, Far Cry 4, les hop, Far Cry Premium, jeu basket NBA 2K16, Black Ops 3, FIFA 16, Forza 6, donc voilà les jeux, on va passer à droite bien sûr. Ici, jeu PS3, je m'en sers plus, donc je vends pour les rebonds, donc je sais pas, GTA 5. On a le Red Dead Redemption, le 1, versus zombie, et Black Ops 2, voilà. Sur PSP Vita, les bêta, je ne veux pas vous montrer, les bêta, les démos, je ne veux pas vous les montrer, ça c'est rien. Sur PSP Vita, on a Batman, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas vraiment accroché, donc je ne sais pas si je vais le finir. Donc tout simplement les amis, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu de multi-setup. Je l'ai fait vraiment comme ça. Donc. Ah oui, j'ai pas fini. On m'avait demandé de montrer avec quoi je fais un peu mes montages et tout. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Donc, mes montages, c'est Sony Vegas, comme vous voyez ici. Donc, c'est une versus, une version craquée. Donc, oui, c'est une version craquée. Donc, Sony Vegas, rien à dire. Pas de soucis de montage maintenant. Ça, voilà, les doigts m'emmener. J'ai envie de vous dire. Après, voilà ma petite chaîne YouTube. Hop. Oui, il y a mon logo. Bah rien à dire, donc tout simplement Sony Vegas j'utilise et Photoshop qui est juste ici, qui est voilà, qui est dans les dossiers, que je peux vous montrer juste là, voilà, Photoshop. Donc voilà les montages, avec quoi je fais les montages, donc le plus c'est Sony Vegas. La fois j'essaie de trouver Camsasia Studio. Mais sinon voilà, je suis pas. J'ai pas grand chose pour les. Pour les montages vidéo, ouais, j'ai Audacity, juste ici, voilà, je peux vous montrer si vous voulez tout. Donc voilà, j'ai pas, voilà, je peux rien vous dire de plus, j'utilise Sony Vegas, rien, j'ai jamais eu de soucis avec, même quand c'était mon ancien PC, quand il ramait, c'était Sony Vegas, et c'est vrai, largement, j'ai pas eu de soucis avec, je peux, voilà. Je vous le conseille vraiment si vous cherchez, si vous venez commencer sur YouTube, je vous conseille Sony Vegas. C'est pas si compliqué
Et c'est vraiment un bon logiciel de montage. Voilà, je peux pas vous donner plus d'informations. Et aussi, juste, c'est l'avantage qui est d'être Windows 10 qu'on a la Xbox. Je sais pas si ça fait aussi sur PS4. On a juste un bouton de Xbox. On a juste à se connecter. En fait, on peut voir toutes les personnes qui sont connectées sur Xbox. Donc ça charge un peu, c'est un peu long. Je vais voir pour lancer sur le petit PC. Attendez. Parce que des fois ça va plus de sur les deux PC. Un des deux. Voilà, bah c'est lancé de toute façon. C'était plus vite sur le grand. Donc voilà, j'ai toutes les informations sur vous. Par exemple, mes amis qui sont connectés. J'ai les publications, vous partagez. Ou encore plein de choses, les jeux et tout. C'est vraiment l'avantage, je peux savoir si vous jouez ou pas. S'il y a du monde, si je peux jouer. Si voilà, si. Par exemple, j'ai pas envie de jouer, mais je vais voir qui c'est qui joue. Là, par exemple, ça m'a connecté tout simplement à ma console. Hop, regardez. Voilà, vous avez vu, ça m'a connecté tout seul. Tout à l'heure, ça faisait pas ça, donc ça m'a connecté. C'est super classe. Je peux jouer pour les personnes qui connaissent pas trop. Je peux jouer. J'ai juste à faire diffuser ma console. Et en gros, il va se connecter à ma Xbox. Et en gros, je pourrai jouer avec directement sur le PC. C'est vraiment l'avantage. Donc voilà, hop. Et par exemple, là, je suis juste avec la manette, vous voyez. Je peux tout simplement changer, et en fait quand ça change aussi là-bas, vous voyez, c'est vraiment assez classe. Donc je peux jouer au jeu et tout via l'ordinateur sur la Xbox, c'est vraiment assez cool. Je sais plus comment on fait, là, ça doit être ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, si j'ai oublié des choses, dites-moi le aussi dans les commentaires, je vous mettrai des messages dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, salut.